Ce mardi 3 décembre est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées pour marquer l'événement. Le Centre national de réinsertion sociale de Bignona a invité des enfants d'autres structures scolaires à partager des moments avec les pensionnaires de l'école logée au centre et qui prend en charge les enfants handicapés en situation de vulnérabilité. Donc les enfants atteints de trisomie 21, les enfants autistes, il y a aussi des sourds-muets. On a fait venir aussi inviter des enfants qui sont de l'école inclusive Faïkoli pour communier avec nous, franchement, cette journée-là. Et l'occasion nous a aussi permis d'inviter l'école française de Ziguinchor, je crois que c'est François Rabelais. Donc vraiment avec qui nous sommes en train de nouer un partenariat pour voir comment accompagner ensemble les enfants en situation de vulnérabilité. Pour les responsables de l'école française François Rabelais de Ziguinchor, c'est un voyage très instructif pour leurs élèves. C'est une invitation qui permet à nos apprenants de sortir un peu de leur cocon et d'aller s'affronter aussi à la réalité des choses. Leur monde à eux, ils le maîtrisent bien, mais il y a un autre monde qu'ils pouvaient découvrir et qui est à la limite un peu différent de leur monde. Et c'est pour cette raison-là nous avons accepté cette invitation. Du côté des instructeurs du Centre national de réinsertion sociale de Bignona, les enfants à leur charge avaient besoin d'une telle compagnie. Nos enfants ont l'habitude de rester ici seuls. Aujourd'hui, le fait qu'ils découvrent d'autres écoles, ça leur a vraiment donné beaucoup de courage, beaucoup de changements envers leur passé. Là, les enfants de l'école française qui viennent ici, ils n'ont jamais découvert d'autres écoles. C'est pour la première fois. Donc là, c'est un atout pour nos enfants, le fait de découvrir d'autres élèves de l'école française de Ziguinchor. Encadrer un déficient auditif, ce n'est pas aussi facile parce que ça demande beaucoup de temps, de patience. Cependant, des efforts doivent être faits par tous pour une meilleure prise en charge de ces enfants à besoins éducatifs spéciaux. En termes de perspective, nous sommes en train de mettre en place, de concevoir un projet vraiment pour voir comment impliquer davantage les autorités administratives et aussi les autorités locales dans le cadre de l'accompagnement de ces enfants-là. Donc ça nécessite l'appui de tout le monde, aussi bien parents et autorités. Et vraiment dans ce projet-là, nous sollicitons l'appui de tout le monde vraiment pour la réussite des objectifs fixés. On compte aussi voir comment effectuer aussi d'autres visites au niveau de Ziguinchor, aller découvrir cet espace-là, permettre à ces enfants-là de communier davantage. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, mais on va continuer à voir comment les accompagner et voir aussi éventuellement dans le cadre de l'accompagnement des élèves au niveau du lycée, s'il y a des cas pareils, qu'on puisse vraiment intervenir et voir comment les accompagner dans la prise en charge de ces enfants handicapés qui sont au sein de ce lycée-là. Au-delà d'avoir passé des moments récréatifs le temps de cette journée, tous les enfants ont appris les uns des autres et c'était, entre autres, le but recherché par le Centre national de réinsertion sociale, initiateur de l'événement.